Yo. Bonjour. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo où je suis assis sur cette chaise-là, juste en face de la caméra, en train de faire un truc qui n'est totalement pas déprimant. Mais c'est la fin de l'année. Tout le monde a besoin de vacances. Et je voulais juste terminer cette année avec une vidéo très très cliché. Surtout que c'est la fin de la décennie, donc soyons encore plus clichés. Mais j'avais certains points que je voulais partager avec vous et discuter en général. Donc 2019 se termine et c'était une année. Je ne peux pas dire bonne ni mauvaise, c'était une année. Et je suis sûr qu'au niveau national, on va être d'accord que c'était une année. Merci la campagne. Mais 2019 se termine et ça fait maintenant 7 ans que je fais des vidéos. Je sais, c'est super long. Depuis le début où on est en train de voler des mimes et les faire venir en créole pour Mauritroll, nous étions juste à trois couillons qui étaient encore au collège. Mais ces trois couillons de 16 ans étaient les premiers Mauriciens à avoir créé une page Facebook avec plus de 65 000 likes. Pas mal pour des couillons. La dernière fois que je suis rentré sur la page, j'étais en train de vendre des saris. Donc certains d'entre vous me suivent depuis les années sombres, que j'appelle l'époque Gamat, parce qu'il m'a pseudo sa époque latine XX Punk XX. Juste pour clarifier, tu pas prononce Ben X là. De This Dia Punk. Cringe. Bon, qu'est-ce que ça? Pas cause menti. Je connais mon petit Gamat, mais tout ce tien à cette époque pour ce Ben Gamatri. Et il y en a certains pour mes autres qui en coupent et fait aller. Oui, je parle de vous, les conjoints. Mon évolution est passée de voleur de mimes à vidéaste, à essayer de chanter, pour faire un retour vers les mimes, qui au moins a été fait par moi-même cette fois. Yep, je suis retourné à la case départ. Si vous m'avez suivi dès le début, vous avez vu qu'il y a eu quelques changements. Mais j'aime bien le fait que ça soit vraiment naturel, ne pas ne faire aucun virage à 180 degrés. Je suis toujours moi-même, mais en mieux. La chose principale pour moi, c'est que à cela, mon grand fait à foutre tout à faire avec tout du monde. Vous êtes clairement capable de trouver dans mes dernières vidéos qui sont plutôt comédie que je peux remarquer vraiment. Quand mon gars ben par exemple, ben commenté est très négatif, moi plus. Moses riait. Et me croise les doigts pour qu'il ben là c'est faire pire. Encore et encore, m'espérer que je suis capable de faire pire. Aussi, cette année, j'avais les cheveux bleus, qui étaient définitivement ma meilleure coupe de tous les temps. Et très certainement, me pourrais faire libre bientôt. Mais il est temps de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante est bien représentée par la dernière vidéo que j'ai publiée, Alone. C'est un peu le genre de contenu que je veux faire. Ce n'est pas le seul genre de contenu que je veux faire. Mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment, donc finalement, j'ai réussi à le faire. Quand j'avais écrit le script pour Alone depuis 2017, et à chaque fin d'année, je me dis que non, je vais le faire l'année prochaine. Et cette année, je me suis dit que si je ne le fais pas à la fin de l'année, bah, je devrais me suicider. Donc c'est une bonne chose que je l'ai faite, finalement. C'est un nouveau type de contenu que j'aimerais produire à l'avenir. J'aimerais pouvoir tacler des topics qui me font en ressentir quelque chose. Des fois, c'est que je suis en train de passer pour ces choses. Ou alors, c'est que j'espère que certains d'entre vous pourront se retrouver dedans. Vous êtes comme une thérapie pour moi et je suis un divertissement pour vous. And that's a great deal. Quelque part, je suis vraiment content de ne pas avoir touché mon pic à 17 ans. Je suis content qu'à chaque fois que je pense avoir touché ce pic, ce qui évidemment me rend déprimé à chaque fois vu que j'ai un god complexe. Et à chaque fois que je touche ce pic, bah, je trouve quelque chose pour me réinventer ou pour pousser plus loin ce que je sais déjà faire. Quelque part, je pense que je suis immortel. Je suis immortel. Et j'espère que voir un immortel va vous pousser à devenir immortel aussi. Maintenant, je vais faire le truc des basic bitch, ce qui est de comparer le début de la décennie avec la fin de cette décennie. En 2010, j'avais 15 ans, 15 ans. Et j'étais plutôt homophobe. Non, mon patch pour la route, ben gay et bad zut. Mais moi, j'ai bien ben affaire, genre, moi, mon père n'a aucun problème, ben pédé, moi. Tant que vous êtes là, au moins. Ha. Ha. Et regardez-moi maintenant. Rien ne peut t'empêcher de devenir meilleur. Regardez-moi, je suis parfait maintenant donc. Et je ne vais pas prendre de résolution pour 2020 comme je pense que ce sont des conneries. Moi, pas trop aucun intérêt de faire ça. Faut pas en faire zut de faire ça parce que c'est pas parce qu'il te prend une résolution que tu peux aller. Tu en fais quelque chose. C'est à vous, Yonadla. Pas dire à qui. Ah, 2020, moi, pour agir, moi, pour réfléchir, moi, pour rien. Boost, taper tout. Tout ce que je veux pour 2020, c'est de continuer de faire ce que j'essaye de faire depuis que j'ai 16 ans. Et peut-être pouvoir mettre plus d'énergie pour me focaliser sur l'or, sur mon or. Ouais, la musique, la comédie, le drame. Je veux vraiment toucher à toucher de façon appropriée. Une question qui me revient souvent, c'est pourquoi est-ce que tu fais ça? Et ma réponse à chaque fois, c'est la même. Parce que je veux que les gens réfléchissent. Je veux surtout que les gens réfléchissent pour eux-mêmes. Encore une fois, tout ce que je dis,
plutôt pas obligé de faire ce qui m'ont fait dire à toi, non. Mais vous préférez te faire de bonnes réflexions avec un peu plus de connaissances. Pas pour dire que je suis un génie ou une encyclopédie. Quoique, mais si tu es dans une meilleure position pour prendre une décision, bah ta décision sera meilleure. C'est tout ce que j'espère. Quelque chose qui est vraiment très important pour moi, qui a été accentué pour moi cette année, c'est que la vie ne vaut pas la peine si tu n'es pas libre. Et la seule façon d'être libre, c'est de réfléchir pour soi-même. Donc c'est ce que j'espère, être libre moi-même à travers et vous aider à vous libérer. Donc, juste pour faire un petit truc avant de partir, je veux faire un petit shout-out pour les meilleures pages ou les meilleures créatures de contenu ou des, je sais pas, des personnes qui ont fait que ces années 2010 à 19 étaient pas mal et surtout que 2019 soit vraiment mieux. Pas qu'on se mentit, 2019 c'est marre, caca. En termes de pages, pour moi, Stott Park Maurice est la meilleure page à Maurice. En termes d'éducation, je vous conseillerais d'aller voir LPH ou la politique expliquée aux jeunes qui font que vous avez plus d'hommes quand vous allez voter ou quand vous entendez parler de politique. Car c'est quelque chose qui manque réellement à Maurice, l'éducation politique. Merci la campagne. Donc ouais, j'aimerais bien que mon peuple soit mieux informé. Peut-être pas pour cette année, certainement pas pour l'année prochaine, mais un jour. Je le dis souvent que pour que ça change à Maurice, il faudra un peu de temps et beaucoup d'enterrements. Mais il y a du changement. Et ça va être à travers la dernière personne que je vais nommer maintenant là, Olivier Thomas, qui a fait un travail incroyable, autant pour la circonscription numéro 20 que pour tous les Mauriciens en général. C'était de Léa Frey qui est venue avec. Et je suis pas mal content du score qu'il a. Élu ou pas, ça te montre qu'il y a de l'espoir. Et que ça vaut la peine si tu capable quoi. Donc, on vit qu'à continuer à croire dans nos pays. Nouvelle Mauricienne, nous passons du temps à Maurice dans Bez, Maurice c'est ici, Maurice c'est là. Alors, dire Maurice, c'est une très bonne île. Faites-vous des amis qui viennent directement du continent africain. Vous verrez qu'on n'a pas la vie si mauvaise. Mais être mieux que ces pays-là ne veut pas dire qu'on est parfait. Il y a toujours une grande marge d'amélioration qui est possible. Donc, j'aimerais remercier Oliver qui a ouvert cette porte. J'aime mon île. J'aime bien moins les gens qui y vivent. Ce sera tout pour moi pour 2019. On va se revoir. En espérant que je perde cette habitude. Ça aurait pu être une résolution, ça. J'arrête de laisser des gaps immenses entre des périodes pour faire des vidéos. Ah, mais je ne changerai jamais. Donc, ce sera tout pour moi pour cette décennie. Ce sera tout pour moi en tant que juste Adrien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mystère, mystère, mystère. And I hope that you will be tagging along for this new ride. Mais c'était Adrien. Yo.